Salut YouTube, le retour. Des POG, Daisy Soon dans 6 mois. Ouais, c'est ça qui est malheureux. Le golem de Wit, qui fermera les POG de Hackstar et de Laswell Neovision. L'intérêt ici, je rappelle, ben, il faut que Rosa puisse faire des hits. Il y a 3 cibles, la meilleure ce soit Rosa du coup, avec Katana ou bien épée équipée sur elle. On va mettre bien sûr la cover de Wall. On va breaker tout le monde. Et en plus, Van a une épée, ce qui est très très bon pour le break. En supplément, hop, on va breaker. On va passer avec deux clouds, c'est important d'avoir de l'AOE en version physique. On va pouvoir taillader tout ce monde. EP l'attaque, l'imbu. Hop. EP l'attaque, l'imbu. On va partir de cette base ici. Hop, on lance tout. Alors pourquoi ce bras? Parce que ce bras il est vraiment costaud. Celui-ci est vraiment low. Mais lui il tombe en 2 secondes. Et donc pourquoi on break? Bah attaque et magie, hein, toujours. Je rappelle que l'attaque et magie peuvent se break. Et la cover physique, hein, va être hyper importante ici. Pour ce combat. Du coup il réduit encore les dégâts. Donc on va lui mettre un one punch. Simplement, on met tout le SR en setup. Ça, c'est dommage. Hein. Niveau 3, on va lui mettre un one punch à lui. Du coup, et voilà le golem tombé. Donc c'est hyper important que Tifa tape dans le bras gauche, ce dernier bras qui reste en vie. Parce que si le golem meurt et que le golem meurt, il reste les deux bras, il pète un plomb, il vous met de la OE physique. Alors je ne sais pas si c'est coverable pour le coup, mais évitez ça, ça pète en 2 turns, c'est un peu chiant, il faut encore de la OE. Il va pas être facile à farmer et il faudra à nouveau... comme la première fois avec Cloud et Tifa, donc 420, un truc comme ça, d'orbes pour pouvoir EP vos spells de Hackstar et de votre NV Laswell. Faites-le, comme ça vous êtes tranquille après pour la semaine. Côté Tifa, c'est juste Tifa qui a des killers avec Golem, Killer Stone, quelques Killer Stone, mais ça sert strictement rien. Pour le coup, Van en 6 étoiles, est-ce qu'il peut être joué? Non. Vers sans AOE si tu prends ton temps sur les tours. Oui, tout à fait. C'est là, je parle en version on speedrun le truc, on se dépêche. De rien, si tant mieux que ça a fonctionné du coup. Mais oui, bien sûr, vous pouvez le faire en mode tranquille. Là, c'est vraiment en mode bourrin. Ce qu'il faut retenir, c'est 1. Un personnage qui break et qui peut faire plusieurs coups sur une cible avec une épée ou un katana. Là, ici, Rosa, juste parfaite pour, pour ce travail. 2. Un tank. Un tank physique, bon, un coup, on a tellement du mal à dire physique, tellement que ça n'existait plus dans les compos, que le retour du tank physique au lieu de magique, lui, important aussi. Un break attaque et magique, bien entendu. Vous avez un Machina qui a été gratuit et qui est très bien pour faire l'affaire à la place de Van. Vous pouvez utiliser Machina du coup. Tifa, one punch sur le bras gauche du coup. Vous tapez les deux bras et après vous tapez le corps au pire. Et Cloud ou un autre tapage de fion pourra passer parfaitement pour le coup. Galuf se joue encore en physique. Galuf est toujours un tank physique, tout à fait. Et ça se joue très bien, c'est un équivalent de Wall. Bisous YouTube, terminé pour les vidéos d'aujourd'hui. On a fait le tour du contenu. Ciao, bye.